Seigneur, à partager ce moment agréable pour notre Seigneur. Please advise everyone to share for the glory of God. Pour sauver une âme. To save a soul. Vos j'aime, vos love nous font du bien. So with your love, your good comments, we are happy with your good comments, your love, your encouragement. Vos God commentaires bless aussi nous font du bien. Amen. With your comments, God bless you and we appreciate. Soyez abondamment béni. Be abundantly blessed. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, comme vous le savez, nous n'avons pas beaucoup de temps. On n'a qu'une heure, bien-aimé dans le Seigneur. So without wasting time, we always say we don't have much time. It's just 1 hour. Voilà pourquoi je commencerai par vous dire, si vous n'avez pas d'église et que vous habitez à Roubaix ou à Lille, vous pouvez nous contacter, contacter le pasteur Victor Makonda au 06 33 30 86 30 66. So please, if you don't have any church to attend, you can call the pastor with this number 06 33 86 30 66. Et si vous habitez Paris et que vous n'avez pas d'église, nous pouvons toujours vous orienter à notre église de Paris, Aubervilliers. And also, if you are living in Paris, you can also call this number. From there, we can also give you the address in our church in Paris. Voilà, il suffit d'appeler le frère Sami Dingituka. It's just a matter for you to call the pastor or you call Brother Sami Dingituka. Au 06. 06. 63. 63. 83. 83. 55. 55. 97. 97. Alléluia. Amen. Et si vous habitez Strasbourg, bien-aimé dans le Seigneur, and if you also live in Strasbourg, vous pouvez appeler ces deux numéros. You can also call these two numbers. Le frère Nekis Nzelo. Brother Nekis Nzelo. Au 06. 06. 52. 52. 33. 33. 39. 69 61 61. Ou vous pouvez appeler le frère Serge Mata. Or you can also call our beloved brother Serge Mata. Au 06 35. With this number 06 35. 35 encore. 35 again. 63 63 38 38. Et vous ne manquerez pas un endroit pour la prière. Then you will not miss a place of prayer when you call these numbers. Et si vous habitez en Afrique du Sud, à Cape Town, and if you also live in South Africa, Cape Town, vous pouvez aussi appeler notre frère, le pasteur Shombi Banda. You can also call our brother pastor Shombi Banda. Au 0027 0027 81 81 300 300 96 96 47 47. Et là, vous ne manquerez pas un endroit pour adorer votre Dieu. So then you don't miss a place to worship your God. If your family are living around all these premises we just called, so you can also orient your family all these address, these telephone numbers to your families. Si vous avez un membre de famille en Afrique du Sud, friends, ou des amis, vous pouvez aussi les orienter là-bas. Ce sont des frères qui font de bon travail comme leur père. Amen. Si vous avez aussi quelqu'un, une famille à Strasbourg ou à Paris, vous pouvez les orienter dans nos églises. Nous avons des hommes de Dieu sérieux qui font un bon travail.
because they are doing a great job over there. Soyez bénis. Be blessed. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons commencer notre prière. So without wasting time, we are going to start our prayer. Soyez bénis et partagez. Be blessed. Be blessed. Hallelujah. Hallelujah. Please share. Do not forget to share. Partagez, partagez pour sauver une âme bien-aimée dans le Seigneur. Share, share to save a soul, dear brethren. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Merci, Hallelujah. Merci, Jésus. Hallelujah. Please try to share or call any of your friends, your family that are sleeping to be connected. Vous pouvez partager, appeler, réveiller un frère ou une sœur qui dort déjà afin qu'il ou qu'elle se connecte. I believe he or she needs this prayer tonight. He needs this prayer tonight. Je crois que il ou elle a besoin de cette prière ce soir. Hallelujah. Hallelujah. You know, sometimes you don't have time to pray 1 hour or more than 1 hour. Vous savez, parfois vous n'avez pas le temps de prier ou de prier plus d'une heure ou une heure. Donc, it's also an opportunity. Ça, c'est une opportunité. Il faut en profiter. Hallelujah. Hallelujah. I hope you all had a wonderful day. J'espère que vous avez tous passé une bonne journée. Amen. Amen. So without wasting time, dear brethren, sans plus tarder, bien-aimés, I want us to thank God for His grace upon our lives. J'aimerais que nous puissions remercier le Dieu de la Bible par rapport au souffle de vie. Let's thank God for all He has done. Remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait. Let's thank God for all that He's still yet to do. Remercions Dieu pour tout ce qu'il fera encore. Open your mouth and pray in the name of Jesus. Ouvre ta bouche et prie dans le nom de Jésus-Christ. Tendre Père, nous venons au devant de ton trône de grâce, te louer, t'adorer, te glorifier, t'exalter, ô Père de gloire. Merci Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants. Lorsque nous pensons au souffle de vie que tu nous as donné, lorsque nous pensons à la bonne santé, ô Père, lorsque nous voyons combien de gens sont à la mort, combien sont en train de respirer, ô Père de gloire, par des piles cardiaques. Mon Dieu, mon roi, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous glorifions ton Saint-Nom. Nous te disons infiniment merci, ô Père de gloire, pour nos familles que tu as protégées, nos enfants que tu as protégés, nos enfants biologiques et spirituels, Père, que tu as protégés. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons infiniment merci, Père de gloire. Merci pour ceux qui ont gêné. Merci pour ceux qui ont eu à manger, à boire. Merci Père de gloire pour ceux qui étaient sortis, éternel mon Dieu, mon roi, et qui sont revenus chez eux à la maison en bonne santé. Nous te disons infiniment merci. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, ô Père de gloire. Il n'y a personne comme toi. Merci Père de gloire. Alléluia. Que toute la gloire revienne à toi. Jéhovah Elohim. All the adoration. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, thank you, nous te disons infiniment merci. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, le Puissant de Jacob. Merci Père de gloire pour les membres de ma famille que tu as protégés, les membres de ma belle famille que tu as protégés, les membres, Père de gloire, de l'Église, corps du Christ que tu as protégé. Merci pour les nations, ô Père de gloire. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Merci, ô Père de gloire, pour la force que tu nous donnes d'être toujours présente à la prière. Oh, Father. Sois béni, Papa. Alléluia. Sois élevé. Sois béni. Sa majesté, le roi des rois. Lord, you are worthy to be praised. Toi qui es digne de magnificence. Toi qui es digne de force. D'honneur, de puissance, Jesus Christ. De majesté. Thank you, Jesus. Toi qui règnes à jamais. Thank Amen. You, Adonai. Amen. In the name of Jesus. Amen. Dear brethren, bien-aimés, I want us to examine ourselves. J'aimerais que nous puissions nous examiner nous-mêmes.
I want us to examine ourselves, dear brethren. J'aimerais que nous puissions nous examiner, bien-aimés de l'Esprit. We have no sin. La Bible dit si nous disons que nous n'avons pas péché, we make God a liar. Nous faisons de Dieu un menteur. Hallelujah. And we all know, dear brethren. Et nous savons tous, bien-aimés. God is a perfect God. Dieu est un Dieu parfait. He's a perfect God. Il est un Dieu parfait. There is no sin found in him. Il n'y a pas de péché en lui. It's only we human beings have been made from dust. Il n'y a que nous qui avons été créés, fabriqués par la poussière. Hallelujah, dear brethren. Alléluia, I want you to examine yourself. J'aimerais que tonight, tu puisses t'examiner toi-même, afin que notre prière God, ou nos prières ne soient pas une abomination auprès de Dieu. That our heaven will be open tonight. Afin que notre ciel soit ouvert ce soir. So our prayer will descend to the heaven. Afin que notre prière, bien-aimée dans le Seigneur, monte jusqu'au ciel. Hallelujah. Hallelujah. So open your mouth and pray. Ouvrons nos bouches et prions. So that as we pray to the brethren, nous venons au devant de ton trône de grâce. Comme des êtres imparfaits, des êtres que tu as créés, Père de gloire, par la poussière, avec la nature adamique à nous. Oh Père, je viens demander pardon. Pardon là où j'ai blessé, Père de gloire, ma femme, mes enfants biologiques ou spirituels, là où j'ai blessé un neveu ou une nièce, là où, Père de gloire, j'ai blessé un collègue au travail, là où je fais du mal, Père de gloire, à quiconque que ce soit, je viens au devant de toi me répentir. Je viens demander pardon, Père. Pardonne-moi mes fautes. Pardonne mes iniquités. Pardonne, ô Père de gloire, nos péchés. Ô Père de gloire, pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, mon Dieu. Pardonne-nous, Père de gloire. Pardonne à ton peuple de l'Église universelle de Dieu. L'Église est pour tous. Pardonne là où on avait dormi en colère, là où on avait calomnié, comméré, là où, ô Père de gloire, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Père de gloire, pardonne-nous. Ne nous abandonne pas, Père de gloire, là où l'alliance était, ô Père de gloire, coupée. Je suis ce Père de gloire. Oh, God, have mercy, à cause de nos péchés, nous venons de supplier, Papa. Aie pitié du peuple de l'Église, universelle de Dieu et l'Église pour tous. Aie pitié des membres de nos familles, belles familles. Aie pitié des membres de l'Église, corps du Christ. Aie pitié des nations, Père de gloire. Là où les leaders des nations, Père de gloire, ont désorienté le peuple. Là où les leaders des nations ont péché contre l'Éternel, pardonne nos leaders dans toutes les nations. Pardonne à tous les leaders qui nous dirigent. Aie pitié de nous, Père de gloire. Aie pitié de nous, Père céleste. Il n'y a que toi qui peux nous pardonner, Père. Car la Bible dit de toi dans les psaumes 130, Père de gloire, les péchés se trouvent auprès de toi. Et dans psaume 103, tu dis, Père de gloire, que de la même manière que to separate me from you, Lord. I don't want the sin of my children, my husband, to separate us from you, Lord Father. Alleluia. Lord Jehovah, I beg you, Adonai. Merci, Père de gloire. I beg you, have mercy upon us, O Lord. So I see God open doors, O Lord. Merci, for Père. The enemies parce to que come tu dis dans le psaume 103, Jehovah, I beg you, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous nos transgressions. I come before you, voilà pourquoi, ô Père de gloire, nous venons au devant de ton trône de grâce. Demandez ta miséricorde, Père de gloire. Merci de pardonner nos péchés. Alléluia. We have not been prudent enough, O Lord. Tu ne nous traites pas selon nos péchés. Psaume 103, verset 10. Tu ne nous punis pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Merci, Père de gloire, pour ta grâce, tes compassions.
ta bonté, ta miséricorde, Père, I come to auprès des nations, to forgive us, oh des Lord. Églises, so Père de gloire, oh God, Père, because pardonne à ton peuple, pardonne-moi, pardonne à mes enfants, je le suis spirituel, so that you cannot merci save, Père, Lord. Tu me pardonnes oh, les péchés, qu'elles n'ont plus son péché, Lord, have mercy upon the nation. Alléluia. In the name of Jesus Christ. Amen. In Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Amen. Father, we say thank you. Père, nous te disons infiniment merci. In your name, Lord. Que ton nom soit béni. In the name of Jesus. Amen. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Yes, let's open our Bible to the book of 2 Thessalonians. Bien-aimés, ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Thessalonicien. 2 Thessalonicien. 1 Thessalonicien. 2 à 2 Thessaloniciens. Chapitre 3. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, bien-aimés. 2 Thessaloniciens, chapitre 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Alléluia, verset 3. Au verset 3. Thessaloniciens, au chapitre 3. Are you all there, dear brethren? Est-ce que vous y êtes tous bien-aimés? I read in Jesus' name. Je lis au nom de Jésus. He said, but the Lord is faithful, who will establish you and guide you from the evil one. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Alléluia. Alléluia. He said, but the Lord is faithful. Amen. Alléluia. He said, who will establish you and guide you from the evil one? Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Dear brethren, bien-aimés, he said the Lord is faithful. Il dit le Seigneur est fidèle. Hallelujah. Alléluia. Tonight, dear brethren, ce soir, bien-aimés, tonight, dear brethren, ce soir, bien-aimés, we are praying against evil spirits. Nous allons prier contre evil weapons. Les mauvaises armes. Les stratégies sataniques. Hallelujah. Les stratégies sataniques. Hallelujah. Alléluia. That is why, dear brethren. Voilà pourquoi, bien-aimés. That is why, earlier I said, let's ask for forgiveness. J'ai dit au début que nous devons demander pardon. Because if there is no sin found in us. Parce que s'il n'y a aucun péché trouvé en nous. The Lord. Le Seigneur. We ask. Va agir. Answer our prayer. Va, bien aimé, exaucer nos prières. He said the Lord is faithful, dear brethren. La Bible dit que le Seigneur est fidèle, bien aimé. He's the only one that can guide and protect us. That il can est, deliver us from the hands of the wicked one. Il est le seul qui peut nous délivrer de la main du méchant, qui peut nous pardonner. You are going to open your mouth and pray. Tu vas ouvrir ta bouche et prier. Dear brethren, pray this prayer sincerely, dear brethren. Fais cette prière sincèrement. Remember, it was yesterday. Je pense que c'était hier. Or on Tuesday, when the pastor said. Lorsque le pasteur a dit. What the Lord showed to what the enemies are planning. C'est que l'ennemi est en train de planifier. Hallelujah. Hallelujah. Arrows of the enemies. Les flèches de l'ennemi, les stratégies sataniques. Dear brethren, bien-aimés, I want to be connected tonight. J'aimerais que tu sois connecté ce soir. Hallelujah. Alléluia. So I want you to pray. J'aimerais que ask tu puisses demande à Dieu. To guide and protect you and your household. Pour te guider. From the hands of the evil ones. Et te protéger par rapport aux mains du méchant. Ask God for protection. Open your mouth and pray. Demandons la protection. La protection par rapport aux nations. Et le guidance to deliver you, to protect you from the hands of the evil one. Élevons nos voix et prions pray que le Dieu de la Bible nous délivre de la main du méchant. Merci, ô Père de gloire. De la même manière que tu as dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, ce soir nous venons au-devant de toi. Nous te disons infiniment merci par rapport à ta fidélité. Nous venons t'invoquer parce
parce que la Bible nous dit que tu nous affermiras et tu nous préserveras du malin. Préserve-moi du malin. Préserve, Père de gloire, l'Église universelle de Dieu, de Roubaix, Père de gloire, ainsi que nos branches. Du malin, préserve mon frère et ma soeur du malin, préserve au Père de gloire mes neveux et nièces du malin, préserve mes cousins, cousines du malin, préserve mon grand frère, sa femme et ses enfants du malin, préserve nos petits enfants du malin, préserve au Père des membres des nations du malin. Préserve éternel, Père de gloire, les nations du malin. Oh, viens nous affermir et nous préserver du malin, oh Père de gloire. Merci, Père de gloire, de préserver chaque membre de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Préserve-le du malin. Peu importe les stratégies dans le monde des ténèbres que le diable veut utiliser pour, oh Père de gloire, détruire nos Église. Oh Père, ce soir, nous venons nous lever contre toute stratégie satanique, Père de gloire, qui nous empêche de trouver une salle permanente ici à Roubaix pour rassembler le peuple. Père, ce soir, nous venons, éternel Père, te demander, lève-toi, préserve les nations du malin. Oh, le malin, Père, sachant que il a fait des jours. Oh, Père de gloire, il a une ardente colère pour nous détruire, éternel, les enfants de Dieu, parce que, Père de gloire, le méchant est en train de planifier, comme il est écrit dans Jean 10, 10. Il est en train de planifier, de tuer, de dérober, de voler. Mets-toi, ô Père de gloire, préserve-nous du malin, au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Dear brethren, bien-aimés, you still in this passage. I want us to open our Bible to the book of Zechariah 4, verse 4. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Zacharie, chapitre 4. Zacharie chapitre 4, verset 6. Hallelujah. 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 Dear brethren, we are Zacharie 4, verset 6. Zacharie chapitre 4, verset 6. Tonight, dear brethren, ce soir, bien-aimé, it's not by your power. Ce n'est pas par ta puissance. Hallelujah. Hallelujah. I want to pray this prayer very well. J'aimerais que tu puisses with bien the whole prier of your heart de tout ton cœur. And put your trust in the Lord. Et mets ta confiance au Seigneur, dans le Seigneur. Là où nous venons de lire dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3, la Bible dit que notre Dieu, l'Éternel, est fidèle. Il est fidèle. Cela veut dire qu'il est capable de nous exaucer. Il a l'autorité, il a la puissance pour nous exaucer. Voilà, la Bible dit, alors il reprit et me dit, this is the word of the Lord to Zerubbabel. C'est ainsi la parole que l'Éternel adresse à Zerubbabel. C'est not by might, not by my power. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. It's about my spirit, says the Lord Almighty. Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. He said, what are you, mighty mountain? Et il dit, qu'es-tu, grande montagne? Before Zerubbabel. Devant Zerubbabel. He said, you will become level ground. Tu seras aplani. Hallelujah. Hallelujah. Level ground, dear brethren. Tu seras aplani. Any mountain. Ce soir, peu importe la montagne devant toi, your power. Ce n'est pas par ta puissance. The Lord is saying tonight. Le Seigneur dit ce soir. It's by His Spirit that is moving in us. C'est par son esprit qui move en nous. That is by His Spirit is in us, dear brethren. C'est par son esprit qui habite en nous, bien-aimés. Tonight, dear brethren. Ce soir, bien-aimés. You are
Zerubbabel. Zerubbabel. Tonight, every mountain. Ce soir, chaque before montagne. You, I don't know that mountain devant tonight. Devant toi, je ne connais pas les noms de cette montagne. The Lord said tonight is going to become a level ground. L'Éternel te dit. Is going to be moved away. L'Éternel te dit que ce soir cette montagne sera aplanie. Ça doit, être déraciné devant toi. Ouvre ta bouche et prie. Il dit, qui es-tu, montagne devant Zerubbabel? Qui es-tu, montagne devant Zerubbabel? Qui ne veut pas que tu entres dans ta destinée, qui t'empêche d'entrer dans ta destinée? Qui t'empêche d'entrer dans ta destinée pour ne pas avoir la joie, not to have peace. Pour ne pas avoir de la paix. Is it a mountain of fear? Est-ce que c'est la montagne de la peur? Oh, dear brethren, oh bien-aimé, the spirit of the Lord is in you. L'Esprit de Dieu est sur toi. To destroy that mountain. Commence à détruire cette montagne. Ce qui fait que tu puisses pleurer during the day, pendant les jours with people, avec les gens. You pretend, tu prétends that être bien, is okay, que tout va bien. Oh, but within you, mais en toi, inside, à l'intérieur de toi-même, bien-aimé, ce soir, tonight, ce soir, begin to destroy that mountain. Commence à détruire cette montagne. Leave that mountain to the Lord this hour. Recommande cette montagne à l'Éternel cette montagne. Hallelujah. À cette heure-ci. Alléluia. The spirit of God in you tonight, dear brethren. L'Esprit de Dieu en toi ce soir, bien-aimé. It's not in vain. Ce n'est pas en vain. It's to destroy every mountain. C'est pour détruire, that is surrounding you. Chaque montagne qui t'entoure. Enough is enough of the pretense. Ça n'est assez de prétendre. Enough is enough of the pretense. C'est un ça n'est assez de prétendre. Ouvre ta bouche et prie au nom puissant de Jésus-Christ. Oh oui, Père, merci. Lord, parce que la Bible dit que tu m'as donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Oh, je viens devant cette montagne. Tonight, oh, nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Enough is enough, toi, montagne de la pauvreté. Mountain, toi, montagne de vente de salle permanente. Of COVID, montagne de la maladie. You wanting of sickness and disease. I begin to destroy you. Venons au devant from de the nation. Grâce. Your mountain. Oh, you have no power before my God. Montagne. You have no power before my God. Tu n'as pas your sickness d'autorité that is disturbing the nation. Détruire disturbing cette the nation. Appelée your maladie. Sickness. Je dérange toutes les nations. Je viens détruire cette montagne appelée stérilité de la vie d'une soeur ou un frère. Je viens aplanir et détruire cette montagne appelée titre de séjour dans la vie d'un frère ou d'une soeur. Je viens détruire cette montagne appelée célibat dans la vie d'une soeur, dans la vie d'un frère. Je viens détruire cette montagne dans la vie d'une frère ou d'une soeur. Cette montagne appelée pauvreté, cette montagne appelée chômage, cette montagne appelée maladie, cette montagne appelée mort prématurée, cette montagne appelée je ne sais quoi, mais je viens au nom de l'Éternel. De détruire maintenant, parce que tu m'as donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Je commence à marcher sur cette montagne. Je détruis cette montagne qui empêche mon frère ou ma soeur de voir de l'autre côté. Je détruis cette montagne dans le nom puissant de Jésus. Qui est une montagne devant l'église de celle de Dieu, l'église pour tous? La Bible dit que ce jour de mort, les pieds vont droit contre l'église. Qui est une montagne? Qui combat l'église de celle de Dieu, l'église pour tous? Je viens de détruire maintenant. Libère l'église de celle de Dieu de Roubaix. Libère l'église de celle de Dieu de Roubaix.
toi montagne de l'esprit de mort, toi montagne de l'esprit de maladie, je te détruis maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a longtemps persisté dans la vie de ma sœur, il y a longtemps persisté dans la vie de ma sœur, maintenant je te détruis, montagne qui est ici de Ranzoron, ma belle, je te détruis. Oh, toi montagne, toi montagne, je marche sur toi maintenant, dans le nom puissant de Jésus, je marche sur toi maintenant, dans le nom puissant de Jésus, montagne de mari de nuit, montagne de femme de nuit, reçois le feu et meurs, sois détruit maintenant, dans le nom puissant de Jésus, sois détruit maintenant, dans le nom puissant de Jésus, oh, montagne, toi montagne, de l'esprit de nuit, toi montagne de la femme de nuit, je te détruis maintenant au nom puissant de Jésus. Tu libères la vie de mon frère, tu libères la vie de ma soeur, va-t'en dans les abîmes des ténèbres au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, libère la vie de mon frère, libère la vie de ma soeur, dans le nom puissant de Jésus. Par le feu, par le tonnerre, par le feu, par le tonnerre, par le feu, par le tonnerre. Montagne de blocage, montagne de l'esprit de chèque, montagne de chômage, reçois le feu, reçois le feu. Nous te détruisons maintenant parce que Dieu nous a dit, comme il a dit à Jérémie, voici, je t'ai établi, pour abattre, pour déraciner, pour détruire. Voilà pourquoi ce soir, nous venons te détruire. Toi, montagne de mauvaises stratégies pour que l'église universelle de Dieu de Roubaix meure, n'ait plus la salle permanente, pour que les membres de l'église ne reviennent plus à l'église. Tu as échoué, car le séjour de mort ne prévaudra point contre l'église. Le séjour de mort ne prévaudra point contre l'église. Je suis les rochers, je suis les rocs, sur lesquels Dieu a décidé de bâtir son église. Voilà pourquoi montagne de découragement, tu es venu en retard. Tu ne détruiras jamais l'église universelle de Dieu de Roubaix. Dans le nom puissant de Jésus, cette église subsistera. Nous te détruisons. Si il y a des choses que tu avais enterrées sur la terre, oh, où tu avais enterré des choses dans la salle de l'église, oh, nous le déracinons maintenant. Nous le déracinons maintenant. Nous le jetons dans les abîmes des ténèbres. Cela est nul et sans effet. Cela est nul et sans effet. Parce que le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Victor Maconda, le Dieu devant qui nous nous tenons, il est le nom devant qui tout genou fléchit. Tu vas fléchir les genoux. Montagne, tu fléchis les genoux. Montagne, tu fléchis les genoux. Peu importe le nom de la montagne dans la vie de mon frère ou dans la vie de ma soeur, tu fléchis les genoux ce soir. Tu fléchis les genoux ce soir. Toi, montagne d'avortement, oh, nous te détruisons ce soir. Pas de feu, pas de tonnerre. Montagne d'avortement, nous te chassons, nous te détruisons ce soir de ta racine. Descends le feu et meurs dans le nom puissant de Jésus. Va-t'en dans les abîmes des ténèbres, tout qui ne te reviendra plus dans le nom puissant de Jésus. Toi, montagne de la méchanceté, montagne de la maladie, oh, reçois la guérison, reçois la guérison. Détruisons cette montagne de divorce dans la vie d'un couple. Montagne de divorce. Reçois le feu. Reçois le feu. Deviens poussière maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tu libères le mariage de ma soeur. Tu libères le mariage de ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Get out. Get out. In the mighty name of Jesus Christ. I say get out. In the mighty name of Jesus Christ.
In Jesus' name. Amen. You are still going to pray. Bien-aimé, nous continuons de prier. You are still going to pray. Tu vas prier. Hallelujah. For your children this time. Pour tes enfants maintenant. Every month that is blocking your children's success. Chaque montagne qui bloque le succès de tes enfants. You are going to destroy tu vas les détruire. To become a level ground. Que cela soit une montagne aplanie. By destroying dear brethren. As a parent, en tant que parent, as a parent, en tant que parent, you want to see your children succeed in life. Si tu veux voir tes enfants réussir dans la vie, so that mountain, cette montagne, don't you block your children, qui veut bloquer tes enfants, in their future, maintenant et dans leur futur, begin to destroy it, commence à détruire Let cette montagne. Let me tell you, dear brethren, laisse-moi te dire, so the situation that you are now that occurred later. Il y a des situations qui viendront après. It's not that later that the devil did it, dear brethren. The devil already seen the glory of that child. Ce n'est pas en retard que le diable l'a fait, mais le diable a déjà vu la l'étoile brillante. So they have been working. De ton enfant. They have been working. Et il travaille contre ça. Dear brethren, bien-aimé, we know that child will not grow up. Et nous verrons que cet enfant en grandissant. You see. Vous les parents, you will not be surprised. Vous this child was not like this before. Que cet enfant n'était pas comme ça avant. Was not like this before. Il n'était pas comme ça avant. So dear brethren, voilà pourquoi bien aimé, begin to destroy. Commence à détruire every mountain, toute montagne, that want to block the success of your children. Qui veut bloquer le succès de tes enfants. Now and in their future, maintenant et dans leur futur. Begin to destroy. Commence à les détruire maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Père de gloire, par l'autorité que tu m'as donnée, par l'autorité que tu m'as conféré, je viens dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, détruire chaque montagne, Père de gloire, oh, qui veut détruire la vie de mes enfants, qui veut détruire la destinée de mes enfants, toi montagne d'échec, toi montagne de découragement, toi montagne de blocage dans la vie de mes enfants, biologique et spirituelle. Reçois le feu et meurs. Reçois le feu et meurs. La vie de mes enfants appartient à Dieu. La vie de mes enfants appartient au Dieu de la Bible qui est le garant de leur salut. Le Dieu de la Bible, tu es le maître de l'esprit. Toi, montagne satanique, je te détruis maintenant dans la vie de mes enfants. Tu libères la vie de mes enfants. Tu libères la vie de mes petits-enfants. Maintenant, jusqu'au futur, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, mes enfants réussiront. Peu importe la montagne que ce soit, qui veut bloquer le succès de mes enfants, je les détruis par le feu, par le tonnerre, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. S'il ne réussira pas, tu ne réussiras jamais dans le futur, dans la vie de mes enfants, tu rejettes l'esprit. Je déclare que tu ne réussiras pas dans la vie de mes enfants, dans leur vie présente et dans leur futur. Tu ne réussiras pas dans le nom de Jésus. I foresee for the future of my children. Pour vivre. Your sickness ta maladie has already
circulate all over your body. Ta maladie a rongé tout ton corps déjà. Dear brethren, bien-aimé, I believe in God. Je crois en Dieu de miracles. I believe de miracles. God of miracles. Nous croyons au Dieu de miracles. There is nothing God cannot do. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. I believe God is able, dear brethren. Je crois que Dieu est capable, bien aimé. I want us to call upon God tonight. J'aimerais que nous puissions invoquer Dieu ce soir. He's Jehovah Rapha. Il est Jehovah Rapha. He's able to change all this to a positive situation. Il est capable de changer toutes les situations vilaines et la situation négative et rendre cette situation positive, c'est-à-dire donner la solution. He's able to give solution, dear brother. Il est capable de donner la solution. So let's begin to pray for that brother. Prions pour ce frère et pour cette sœur. That sickness will not lead him to death. Cette maladie that sickness will not lead ne to le death. Conduira ni ne la conduira à la mort. In the name of Jesus au nom puissant de Jésus-Christ. You pray by faith tonight. Et par la foi, bien-aimé. Your faith, dear brother. La foi, bien-aimé. Your faith, dear brother. La foi, bien-aimé. I have said that my sister is going to testify. J'ai la foi. Ma sœur témoignera. J'ai la foi que mon frère témoignera. If you don't doubt, si il ne doute pas, open your mouth and pray. Ouvrons nos bouches et prions. In the name of Jesus, au nom puissant de Jésus, the mighty name of Jesus. Père de gloire, je viens te recommander un frère ou une sœur qui est malade. Oh, à qui le médecin a donné un mauvais rapport. Ce soir, je viens te recommander un frère. Je viens te recommander une sœur qui est malade, auquel, oh, à laquelle, Père de gloire, le docteur a fait un mauvais rapport. J'annule ce mauvais rapport dans le nom puissant de Jésus. Là où ils ont dit c'est fini, toi, oh Père de gloire, tu n'as pas encore dit le dernier mot. Tu n'as pas encore dit le dernier mot. Et moi, je sais que je t'appelle Jehovah Rapha, le Dieu qui guérit de tous les maux. Et moi, je sais que tous genoux fléchissent devant de toi. Oh, tous genoux fléchissent et tous langues confessent que tu es Seigneur. Tu es capable, oh Père de gloire, d'écouter la prière de tous les saints qui sont connectés avec nous en ce moment. Tu es capable, Père de gloire, de guérir ce frère, de guérir cette sœur, dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Père, et nous confessons qu'il y a un changement maintenant dans la santé d'un frère, dans la santé d'une sœur. Et lorsque il y retournera, ou elle retournera auprès de médecins, les médecins seront étonnés à cause de Dieu des signes et des prodiges. Le Dieu qui opère des miracles et que les docteurs soient étonnés de ce que tu feras dans la vie de frère, de la vie d'un soeur, parce que tu es un Dieu miraculeux. Merci au Père de Dieu, tu es capable de le faire. Now the doctor said it is finished. Cette sœur, chez qui le docteur a dit c'est fini. Ce frère, chez qui le docteur a dit c'est fini. À cause de sa maladie, Père Céleste, guéris-la maintenant. Guéris-le maintenant par le sang du sang de Jésus. Guéris-le maintenant. Guéris-le maintenant par le sang du sang de Jésus. Appelle Maître sur Esaïe 53, 5 et 6. Miraculous God, arise for your son, arise for your daughter, heal her, heal him, in the name of Jesus Christ. Father in heaven, may that report change for your glory. May that report change for your glory. Changer, may that report change for your glory. May that report change for your glory. Changer, may that report change for your glory. En ta gloire, for your glory, Lord. Viens te glorifier dans that brother, la situation de that sister, mon frère. In the name of Jesus, may that sister be heart of death. May that sister be heart of death.
ne la conduise pas à la mort, mais qu'elle soit guérie, qu'il soit guérie dans le nom puissant de Jésus, qu'elle soit entière maintenant, que ce frère soit entier maintenant, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus Christ, dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus Christ. Amen. We are still going to pray. Nous continuons de prier. Dear brethren, bien-aimés, I also want to join your faith with my faith tonight. J'aimerais que tu puisses joindre ta foi à ma foi ce soir. Hallelujah. Hallelujah. We are going to pray. Nous allons prier. For all pregnant women. Pour toutes les femmes enceintes. For all the pregnant women. Pour toutes les femmes enceintes. That they will not miscarry. Que ces femmes n'avortent pas. They will not miscarry. Qu'elles n'avortent pas. They will carry that pregnancy to 9 months. Ils vont garder cette grossesse jusqu'au 9e mois. Or they will deliver safe and sound. Et ils accoucheront en toute sécurité. And the baby will be safe and sound. Et le bébé sera aussi en bonne santé. The baby will not die stillbirth. Le bébé ne mourra pas. Prématurément. When delivering, la maman ne mourra pas pendant qu'elle est en train de délivrer, pendant que le bébé est en train de sortir, ou pendant qu'elle est en train d'accoucher. Élève ta voix, commence à prier pour toutes les femmes enceintes. Et si tu es enceinte aussi, mets ta main sur ce bébé. Et commence à prier et à déclarer les paroles au nom puissant de Jésus Christ, au Père de gloire. Je viens recommander ma sœur qui est enceinte en ce moment. Que le sang de Jésus couvre et protège toutes les mamans, toutes les femmes qui sont enceintes, dans ma famille, dans ma belle famille, dans l'église universelle de Dieu, l'église pour tous, dans nos branches, chaque femme, Père de gloire, qui est malade, ou qui est enceinte, Père de gloire, que Père de gloire, cette sœur puisse garder cette grossesse jusqu'au 9e mois. Et que Père de gloire, l'enfant et la maman soient couverts par le sang de l'agneau immolé dans le nom puissant de Jésus. Tu vas les fortifier. Tu vas les fortifier. Et qu'ils accoucheront ou elles accoucheront normalement dans le nom puissant de Jésus. Nous entendons le son de ce bébé dans le nom puissant de Jésus. Amen. In the name of Jesus. Dear, we are still going to pray. Bien-aimés, nous continuons de prier. Pray for your spiritual life. Prie pour ta vie spirituelle. Pray for your spiritual life. Prie pour ta vie spirituelle. Dear brethren. Bien-aimés. Many people nowadays. Beaucoup de gens ces derniers temps. Their spiritual life is weak. Leur vie spirituelle est faible. Ask God for revival. Demande à Dieu le réveil. Ask God for revival. Réveille-toi, toi qui dors. Spiritual revival. Spirituel, un réveil spirituel. And also pray for your brother, your sister. Et prie aussi pour ton frère et pour ta sœur. That God should revive their spiritual life. Et le Dieu de la Bible réveille leur vie spirituelle. Open your mouth and pray. Dans le nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Père de gloire, je vais réveiller la vie spirituelle d'un frère. Je viens réveiller la vie spirituelle d'une sœur. Père de gloire, je prie pour l'esprit de réveil dans la vie de mes enfants, biologique et spirituel. Je prie, Père de gloire, pour le réveil spirituel dans toutes les églises qui composent l'église corps de Christ, dans toutes les églises, dans nos branches, dans nos branches. Père de gloire, tous ceux qui se sont rétrogradés, Père de gloire, réveille-le. Réveille-le, comme la Bible déclare, le fort soutenait le faible. Voilà pourquoi je viens, Père de gloire, de recommander tous les membres des églises universelles de Dieu, l'église de tous. Père de gloire, mon Dieu, mon roi,
qu'il y ait un réveil spirituel dans la vie de mon frère. J'invoque le Dieu de la Bible afin que tu accordes à mon frère et à ma soeur le réveil spirituel dans le nom puissant de Jésus. Réveille-toi, toi qui dors, dans le nom puissant de Jésus, et que ton sang précieux couvre et protège les bébés dans le ventre de leur maman. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Book of Exodus 12. Nous sommes dans Exode chapitre 12. Ouvrons nos Bibles, bien-aimés, dans Exode chapitre 12. Exodus 12:13. Exode chapitre 12:13. Alléluia. Alléluia. Exodus 12:13. Exode chapitre 12:13. Are you all there? Est-ce que vous y êtes tous? The Bible says. La Bible dit. He said that you shall set apart to the Lord all that. Exodus 12. Okay. I was reading. Pregnancy. We are still going to pray for those who are pregnant. Or we are. I was reading 12. He said, now the blood shall be a sign for you. The blood shall be a sign for you on the house, on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. And the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. Alléluia. It's a matter of the blood of Jesus Christ. Ça, bien aimé, c'est une question de sang de Jésus-Christ. So you are going to cover yourself with the blood of Jesus Christ. Tu vas te couvrir maintenant toi-même par le sang de Jésus-Christ. You are going to cover, you are going to come in with the blood of Jesus. Tu vas couvrir, bien aimé, tes allées et retours par le sang de Jésus-Christ. You are going to cover your house the blood of Jesus. Tu vas couvrir ta maison par le sang de Jésus. The blood of Jesus. Tes enfants, ta famille, par le sang puissant de Jésus. The spirit of death will pass us by. Afin que l'esprit de mort ne nous attaque pas. So that every plague, dear brethren, coronavirus will not be contaminated by coronavirus, afin but any deadly sickness and diseases. Amen, amen. Afin que tous les fléaux, bien aimés dans le Seigneur, que la COVID-19 ou le virus de COVID n'atteigne aucun membre de nos familles, aucun membre de nos églises, aucun membre de nos foyers. The blood of Jesus Christ. Le sang de Jésus-Christ. I know in the Old Testament they were using the blood of a lamb, dear brother. Je sais que dans l'Ancien Testament on utilisait le sang de l'agneau. Dear brethren, bien-aimés, we are calling the blood of Jesus Christ. Nous allons invoquer le sang de Jésus. When Jesus Christ now came, dear brethren, he now sacrificed his blood for us. Quand Jésus-Christ lui-même est venu, il s'est sacrifié, il a sacrifié son sang pour nous. So is that blood tonight? C'est ce sang ce soir. To protect us, to guide us. Qui va nous protéger, nous garder. So any plague, dear brethren, plague is disaster. It's calamity. Le fléau, c'est une calamité. Un fléau, c'est un désastre. It's disaster. C'est un désastre. Trials, problem. Les épreuves, les problèmes. So it will not come near us. Que cela ne s'approche pas de nous. Not come near our family. Que cela ne s'approche pas so de nos every familles. Arrows of the evil ones. Afin que toutes les flèches des ennemis will not come for us. Ne viendra pas chez nous. No matter what is happening in the world, in the nation. Peu importe ce qui arrive dans les nations. So it will not come to us.
que cela ne nous appartienne point. Nous ne serons pas of the calamity. Nous ne serons pas partie prenante de tous ces désastres ou de toutes ces calamités. So begin to plead the blood of Jesus Christ. Commence maintenant. Upon your children. Commence maintenant. Your parents are coming in. À mettre le sang upon de Jésus all your possessions. Sur toutes tes possessions. Upon your family. Sur ta famille. For the spirit of death will not locate us. Afin que l'esprit des morts ne nous localise pas. No matter the strategy of death. La stratégie de la mort. The accidents. Peu importe les accidents. Sickness and diseases. Peu importe les maladies. Je viens me couvrir par le sang de Jésus. Je viens boire le sang de Jésus par la foi. Je viens me laver par le sang du sang de Jésus. Je fais boire à mes enfants, petits-enfants biologiques et spirituels le sang de Jésus. Nous nous lavons par le sang de Jésus. Oh, que mon âme, que ma maison, au Père des gloires, soit rempli du sang de Jésus. Que Père des gloires, ma voiture, soit rempli du sang de Jésus. À l'intérieur comme à l'extérieur, je couvre et je protège les études de mes enfants. Les carrières sportives, par le sang puissant de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre et nous protège. Que le sang de Jésus nous couvre et nous protège. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau immolé, couvre et protège nos années. Nos sorties et nos retours au nom puissant de Jésus-Christ. Aucune calamité, aucun désastre ne sera notre partage. La COVID-19 et ce virus et ce variant ne seront jamais le partage de ma famille, ni de ma maison, ni de peuple de Dieu, de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, with the blood of Jesus Christ, nous nous couvrons par le sang de Jésus. Aucun désastre ne sera devant eux. Aucune calamité ne nous atteindra. Dans le nom puissant de Jésus Christ, dans le nom puissant de Jésus Christ, with the blood of Jesus Christ, no disaster shall befall them. No calamity shall befall them. Ô Père de gloire, no death shall befall them. Ô Père de gloire, in the name of Jesus Christ, dans le nom puissant de Jésus Christ. Father, we drink your blood, O Lord. Père, nous buvons ton sang. May your blood, O Lord, in going to make us whole. Que ton sang, Père de gloire, in the name of nous rende entier au nom de Jésus Christ. May your blood, O Lord, wash us, O Lord. Que ton sang nous lave. May your blood make us a bulletproof, O Lord. Que le sang de l'agneau, for no evil arrow can enter to our body. Nous couvre, nous protège. In the name of Jesus Christ. Et que le méchant ne nous localise point. Every flex, every place. Tout fléau will not come to our dwelling. Tout fléau, Père de gloire, ne viendra pas dans nos maisons. In the name of au nom puissant de Jésus Christ. Every spirit of death will not strike us. Tout esprit de la mort ne nous frappera point. In the name of au nom puissant de Jésus. Father, in the name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. Every stubborn spirit. Tout esprit têtu. Every stubborn spirit. Tout esprit têtu. Father, I destroy it tonight. Le détruit ce soir. By the fire of Holy Ghost. Par le feu du Saint-Esprit. In the name of Jesus Christ. Every witches and wizards. Tous les sorciers et sorcières. Father, I blindfold their strategy. Père, j'aveugle leur stratégie. I blindfold them. J'aveugle leur stratégie. I paralyze their strategy. Je paralyse leur stratégie. By fire, by thunder. Par le feu, par le tonnerre. I paralyze their strategy. Je paralyse leur stratégie. Je paralyse leur stratégie. In the name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus. My Lord, oh my God, oh, je paralyse toutes les stratégies. Pendant que nous prions maintenant, as we are praying now, pendant que nous prions maintenant, they want to have another strategy. Ils veulent faire une autre stratégie. Father, Lord, I destroy their strategy. Je détruis les stratégies anciennes et nouvelles de Satan. They will never succeed. Sorcier, sorcière, they will never succeed. Je le détruis dans le nom puissant de Jésus. Ils ne résistent pas. Ils ne résistent jamais. Toutes les stratégies que Dieu veut utiliser pour nous contrôler, je le détruis. Je le détruis dans le nom puissant de Jésus. I destroy that evil mirror. Je by fire, by thunder. Le feu. You evil mirror. Toi, I destroy you. Miroir you evil satanique. You evil place. Je te détruis. You evil place. Dans
sang de Jésus. Tout fléau dans le monde des ténèbres. Préparé dans le monde des ténèbres. Pour détruire les nations. Pour détruire les innocents. Nous les détruisons. Nous les détruisons. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout est stratégie satanique contre nos enfants. Nous les détruisons dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père céleste, ce soir, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Père, ce soir, nous récupérons, toutes nos bénédictions que le diable avait volées. Nous récupérons nos bénédictions. Nous récupérons nos bénédictions. Par le feu, par le tonnerre. Par le feu, par le tonnerre. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous prions pour soeur. Que le diable a jack our marriage. Ah, le diable a volé son mariage. Que le diable a. Father, tonight, ce soir. You devil. Toi, diable. I said, release the marriage of my sister. Libère le mariage de ma soeur. Libère le mariage de ma soeur maintenant. Right now. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Release the marriage of that, my brother. Libère le mariage de mon frère. I said, release your grip and hold. Je dis. From that marriage of my sister. Lâche prise maintenant. From the marriage of my brother. Lâche prise maintenant. Libère le mariage de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. You evil spirit. Toi, esprit mauvais. You evil spirit. Toi, mauvais esprit. You mari spirit. Toi, esprit de mari de femme. That is preventing my sister, my brother. Qui empêche mon frère, ma soeur. Not to marry. De ne pas se marier. I destroy by fire for Je te détruis par le feu. By the fire for the ghost. Je te détruis par le feu. Je libère le sang de ma soeur et je t'envoie
sender. Les flèches en retour. Point au sender. Retour aux expéditeurs. In the name of Jesus. Cette flèche retourne aux expéditeurs. In the name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. In Jesus mighty name. Dans le nom puissant de Jésus. In Jesus name. Amen. 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 Tendre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. I will give you grace and bless your name. Que ton nom soit béni. May your name be blessed. Que ton nom soit magnifié. Your name be magnified. Que ton nom soit glorifié. May your name be glorified. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Because you are the Almighty God. Le Dieu devant qui nous nous tenons. The God that we are standing Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. The God of Abraham, Isaac and Jacob. Le Dieu de l'Église universelle, de Dieu l'Église pour tous. The God of universal birth church for all. Père, que tous les arrangements célestes, tout ce que le monde spirituel a prévu pour l'Église universelle de Dieu, de signes, de prodiges, de miracles, que cela s'accomplisse maintenant en cascade dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Father, all the signs and wonders, miracles that you have planned for the universe of God, may you come to pass right now in the name of Jesus Christ. Que des guérisons, des délivrances, des naissances, des bébés s'accomplissent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. May healings and self-delivery may come to pass in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Be blessed. Nous vous aimons. Bien-aimés dans le Seigneur. We love you all, dear brethren. Soyez bénis. Be blessed. God bless you bon all. Bon sommeil à vous. Good dreams. Bon sommeil. Alléluia. Alléluia. Amen. À dimanche avec un message puissant. On Sunday with a powerful message. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Be blessed. Le Dieu que je sers n'a jamais changé. The God of Abraham, Isaac and Jacob is still alive. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. What he has done before, he's still able to do it. Ce qu'il a fait avant, il est capable de le faire encore. Just trust in him. Fais-lui confiance. Trust him, dear friend. Fais-lui confiance, bien-aimé. Trust him. Dans le nom puissant de Dieu. The Lord is faithful. La Bible dit, Dieu est fidèle. He said he's faithful. Il est fidèle. He's faithful. Il est fidèle. He's the God that fulfills his promises. C'est un Dieu qui accomplit ses promesses. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.